Ça va, on va être sûr qu'on va être capable. Où est David? Il y a un Non, Jérémy. Je sais pas, ils sont pas là. Attends, d'abord, il a pas de Direct là. Là, le film, il peut rien vous donner. Il faut être près du Tzadik, Rabbi Nachman, Tzadik qui sort de l'âme. Des sons directs de David Ameller, qui avait pour grand-père le Baal Shem Tov. Vous pouvez pas ressentir la doucha. Si vous voulez la ressentir, et si vous voulez les brachot qui vont avec, il faut venir.
entier se remplit de l'Israël. Il n'y a pas un Ukrainien dans les immeubles. C'est le tour, il n'y a que le béni Israël. Je ne sais pas que c'est une ville complète. C'est pour les chochottes, genre Pierre Zawi, ils ont fait un hôtel grand luxe, spécialement Zarma Pierre Zawi. Ils ont fait ça. Donc il y en a, en fait, il n'y a pas beaucoup de chambres. Hein. Faut sélectionner avant, c'est pour les mecs qui ont besoin d'un petit confort personnel.
c'est le nom de Rassim, de Ashkenazi. Ashkenazi. C'est un petit peu autre. Ça, c'est, ouais, pas, c'est la prochaine synagogue de la rue des Boulets. Si Dieu le veut, amen. Et ça, ce que vous voyez là, c'est pas la synagogue principale. Le principal opère se fait au Kéber. Donc imaginez, ça c'est qu'une annexe. Regardez une annexe, ce que ça prend. Mais là c'est énorme, on voit tout. C'est que au Pélonex. Donc imaginez c'est quoi l'ensemble. Car ça représente vraiment, en comparaison par rapport au nombre qu'il y a, ça représente la rue des Boulets. C'est genre une petite synagogue de quartier. Thank you.